merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans ce webinaire, on va vous parler des dernières tendances autour du travail collaboratif et on vous présentera également des cas clients concrets donc par différents experts du marché. Donc aujourd'hui, on a Gabin Georges, qui est Strategic Account Manager chez Lumaps, Romain David, qui est founder chez Wisembly, Bruno Barbagli, qui est Enterprise Lead EMEA chez G Suite, et moi-même, donc Julie Pacci, qui suis responsable marketing France pour Mailjet. Donc, on va être ensemble pendant environ une heure avec 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses à la fin. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à nous les mettre dans l'onglet qui est à droite de votre écran « Questions » et on y répondra à la fin du webinaire. Et si vous avez des problèmes pour nous entendre ou pour voir la présentation, n'hésitez pas à nous le dire au même endroit et on a Eddy qui est également présent avec nous aujourd'hui qui pourra vous aider. Bonjour. Voilà, donc Gabin, je te laisse commencer cette présentation. Merci beaucoup, merci Julie. Donc, bonjour à tous, donc Gabin Georges de Lumaps. Donc moi, je vais vous parler du travail collaboratif à travers deux sujets qui sont donc la Digital Workplace et ce qu'on appelle donc l'employee engagement, l'engagement des collaborateurs. Donc Lumaps, rapidement, pour vous donner un petit peu de contexte, on est une société française de logiciels qui propose donc de se connecter à votre suite collaborative, donc comme la G Suite, et de vous pousser à travers un point d'entrée unique un accès profilé à de l'information descendante, à de l'application métier et à du contenu social. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail du sujet du Digital Workplace, cet espace collaboratif, comment en fait cette Digital Workplace va nous permettre d'aller chercher l'engagement des collaborateurs. Alors pour ce faire, je vais vous proposer de réfléchir ensemble tout d'abord à cette question d'un point de vue employé. De quoi a besoin un employé aujourd'hui pour se sentir engagé et s'engager dans une structure et là vraiment je vais vous demander de pas forcément vous focaliser sur l'aspect digital, mais bien de vous demander, voilà, aujourd'hui, je suis un collaborateur, qu'est-ce que moi j'attends de mon entreprise pour être stimulé, pour m'engager dans cette structure. Alors, on a décelé trois facteurs qui nous paraissent essentiels, hein, que l'on trouve dans la vie réelle, aussi bien que dans la vie digitale. Le premier étant la reconnaissance. J'ai besoin, en tant que collaborateur, de recevoir une certaine reconnaissance de l'entreprise dans laquelle j'évolue, mais aussi de mon management pour les missions que j'effectue. Évidemment, cela, ça prend place et ça a lieu dans un environnement qu'on appelle stimulant de par l'innovation technologique, évidemment, qui a lieu dans l'organisation et dans les actions que j'ai à effectuer au quotidien, mais aussi dans les équipes et dans l'aspect collaboratif du travail. J'ai besoin de sentir un dynamisme dans la collaboration entre moi, mes collaborateurs, les différentes équipes et justement donc ce travail qui va s'effectuer de manière transverse pour aller justement alors casser les silos, même si c'est un mot qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, casser les silos pour améliorer et optimiser cette collaboration. Et enfin, j'ai besoin, moi, de collaborateurs, de pouvoir prendre la parole, de pouvoir faire remonter de l'information et d'échanger avec ces différents groupes de travail dans l'entreprise. Donc, c'est évidemment pas quelque chose d'exhaustif, hein, mais ces trois axes nous paraissent assez importants dans cette notion d'employee engagement. Si on se place cette fois d'un point de vue entreprise, comment moi, entreprise, je vais pouvoir fournir des outils digitaux pour répondre à ces attentes? Et finalement, quels sont les piliers, j'ai envie de dire, des outils, quelles sont les caractéristiques des actions que j'ai besoin d'effectuer en tant que structure pour permettre à mes collaborateurs de se sentir engagés? Là encore, on vous propose de réfléchir autour de quatre axes. Donc, dans cette notion de Digital Workplace, moi, en tant qu'entreprise, j'ai pour mission donc de simplifier l'accès à l'information pour mes collaborateurs. Alors, donc, c'est pour ça qu'à travers le sujet du Digital Workplace, on vous parle de point d'entrée unique. J'ai besoin de fournir la capacité à mon collaborateur de pouvoir se connecter directement sur une seule et même plateforme, quelle que soit la typologie du collaborateur. Alors, Julie, j'ai perdu, moi, l'accès à la présentation. Écoute, pas de problème. Tu me dis et je vais passer les slides, du coup. Aucun souci. D'accord, ça marche. Hop, je reprends, du coup, la slide. Donc, simplifier l'accès à l'information à travers un point d'entrée unique.
Très important, hein, simplifier le schéma. Je vais toujours me connecter depuis le même endroit, depuis lequel je vais accéder à mon information corporelle, à mes applications métiers, à mon contenu social qui va me permettre de partager. Collaborer, le deuxième point. Donc, collaborer, trouver des espaces depuis lesquels je vais pouvoir digitalement m'exprimer et partager avec mes collaborateurs et mon management aussi, évidemment. Donc, ça va passer par de l'action sociale, à savoir le like, le commentaire, l'identification, et à travers donc des communautés qui vont te permettre de travailler ensemble autour d'un projet, autour d'une idée. Connecter, évidemment, je dois en tant qu'entreprise pouvoir connecter tous ces collaborateurs. Et là intervient la notion d'identité digitale numérique pour tous les collaborateurs. J'ai besoin d'exister numériquement pour pouvoir accéder à cette information, pour pouvoir accéder à cette plateforme. Et évidemment, dernier point sur l'engagement à travers la Digital Workplace, c'est la partie mesurée. En tant qu'entreprise, je me dois de pouvoir faire un retour sur les différentes analytiques, les feedbacks. Est-ce que les gens se connectent bien? Quels sont les outils les plus utilisés? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Il est très important de garder en tête que ces outils-là de Digital Workplace sont des outils évolutifs dans le temps. Rien n'est figé. L'idée étant de se dire, j'ai besoin de faire évoluer en fonction des attentes de mes collaborateurs, mais aussi en fonction de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas. Du coup, je te propose de passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, engager dès le premier jour. Donc, finalement, une fois qu'on a dressé ce tableau-là, quelles sont les fonctionnalités, si on rentre dans un niveau de détail supérieur, qu'on pourrait imaginer essentielles et pertinentes dans une Digital Workplace? Alors, notre expérience nous a montré que ces 6 points que vous avez là sont des points que l'on retrouve dans tous les projets chez l'UMAPS. Quand on met en place donc ces intranets sociaux, ces digital workplace pour les grands groupes, tout d'abord de l'information et de l'actualité personnalisée. Il est très important que les collaborateurs se sentent concernés par l'information qui leur arrive. J'ai besoin de recevoir de l'information qui est à la fois groupe, évidemment pour la stratégie, mais aussi locale, en fonction du pays dans lequel je me trouve, en fonction de la business unit dans laquelle j'évolue. Donc, très important, pousser un fil d'actualité personnalisé. Évidemment, il y a une notion de rapidité d'accès aux outils. J'ai tout à l'heure dans la notion donc, d'accéder, de connecter tout le monde, il est important de ne pas faire perdre de temps aux collaborateurs. La notion donc, de rapidité d'accès aux applications métiers, par exemple, est très importante. Toujours dans la même idée, j'ai besoin d'aller rapidement au même endroit. Je sais que je vais retrouver mon catalogue de favoris depuis lequel je vais pouvoir accéder à mon CRM, à mon outil de gestion de notes de frais, à la partie annuaire par exemple. Collecter les retours, évidemment, c'est très important. Comme je le disais tout à l'heure, tout ce qu'on est en train de se dire n'a du sens que si le super administrateur ou les community managers peuvent mesurer et bien comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. De manière générale, collecter les retours, on peut aussi l'entendre comme je vais laisser la parole à mes collaborateurs pour les faire réagir à une information que je vais leur pousser. Voici la stratégie de l'entreprise sur les 5 années à venir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être intéressant d'avoir une action de like, de commentaire pour pouvoir récupérer les feedbacks et faire de la remontée d'informations. Et là, l'employé engagement devient une notion très importante et très concrète. Les communautés ouvertes, ça c'est super important. L'aspect social, je le disais tout à l'heure, laisser la parole aux collaborateurs, laisser cette possibilité de partager des idées, des événements, des posts, des photos, des vidéos, évidemment à travers des communautés qui vont pouvoir servir des métiers, mais aussi qui vont pouvoir constituer des bases de connaissances collectives. Donc, l'exemple le plus concret que l'on retrouve là aussi chez tous nos clients, ce sont les fameuses FAQ, foire aux questions. Je suis un nouveau collaborateur dans l'entreprise. Je me pose tout un tas de questions qui ont déjà été posées par d'autres collaborateurs. Comment je fais pour capitaliser sur cette connaissance collective? Une communauté ouverte qui me permet de poser des questions, mais qui me permet aussi de retrouver les questions qui ont déjà été posées et de retrouver les informations et les réponses qui ont été apportées. Agenda, donc là c'est assez important aussi, on voit que là l'outil agenda que vous connaissez sûrement tous, puisqu'en général toute entreprise s'équipait de ce genre d'outils, va nous permettre en tant qu'entreprise de pousser des agendas, donc évidemment d'entreprise, mais aussi là encore de business unit, d'événements. Je vais vous prendre un exemple très concret chez l'UMAPS qui fonctionne très bien, c'est par exemple la population marketing qui va communiquer à la population commerciale les prochains événements qui vont avoir lieu dans le monde entier. Donc moi Gabin, je vais pouvoir savoir par exemple que mes confrères à New York organisent une conférence avec Google sur le sujet Digital Workplace et Employee Engagement.
Et enfin, annuaire et organigramme, très important, pouvoir resituer et retrouver facilement selon différents critères de recherche qui ne sont pas le nom et prénom, mais qui pourraient être les compétences, les hobbies, une expertise, une localisation géographique, les différents interlocuteurs qui vont pouvoir m'aider à mener à bien mes missions et qui vont pouvoir me faire gagner du temps dans le travail que je vais effectuer. Je te propose, Julie, de passer à la slide suivante. Cette fois, je vous propose de vous faire un retour un peu plus concret sur les défis rencontrés par les entreprises. Alors ici, ce sont vraiment des défis que nous avons rencontrés chez nos clients. Lorsqu'on arrive en rendez-vous, donc on nous fait remonter tout un tas d'informations sur les outils qui sont utilisés. Et souvent, on se rend compte que sur les sujets de Digital Workplace et d'intranet, les points de douleur rencontrés sont souvent les mêmes, à savoir une obsolescence de la partie ergonomique et du design. Le design n'est pas personnalisé, l'ergonomie n'est pas très agréable, c'est compliqué d'utiliser l'outil et ce n'est pas un endroit où j'ai envie d'aller. De ce fait, les employés utilisent rarement l'intranet. Donc ça, c'est un cas d'usage que l'on a systématiquement, d'où l'importance de pouvoir mesurer le taux d'utilisation des outils que l'on pousse et de pouvoir faire un retour sur l'utilisation de ces outils. Cela ne me concerne pas, ça c'est très important, ça fait référence à ce que je vous disais tout à l'heure, le contenu qui doit être poussé doit être intelligent et profilé. Si vous voulez que vos collaborateurs se sentent concernés par l'information, il est important de leur pousser du contenu à la fois groupe, mais aussi du contenu local évidemment, et des communautés qui répondent tout de suite à leur usage métier. Le nombre d'outils, évidemment, aujourd'hui est une problématique. Donc là, il y a plusieurs réponses à apporter. Déjà, les rassembler au sein de cette Digital Workplace, rassembler l'accès à votre socle applicatif depuis un seul et même endroit et aussi pouvoir capitaliser sur les différents outils qui sont utilisés. Vous allez voir, par exemple, que je vais vous montrer sur la slide après, que Google Maps va capitaliser sur la suite applicative Google pour pouvoir donner des nouveaux cas d'usage à votre espace documentaire Drive, à votre espace agenda, à votre mail et à vos outils de visioconférence que l'on va intégrer nativement dans l'outil. La mobilité aujourd'hui, c'est un sujet et un enjeu crucial sur tous les projets. J'ai une population évidemment de personnes qui sont sur poste fixe, qui ont accès à un ordinateur. Pour autant, j'ai dans beaucoup de cas d'usage une population de terrain en production mobile qui a tout de même besoin d'accéder à l'information. Or, comment je fais pour atteindre cette population ? C'est le mobile aujourd'hui qui prône et qui permet la réponse, qui permet d'apporter une réponse positive à cela. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a développé une application mobile iOS Android pour vraiment aller pouvoir chercher ses utilisateurs et leur pousser les notifications sans qu'eux-mêmes aient besoin d'aller se connecter depuis chez eux à un ordinateur. Et enfin, le nombre d'interactions sur la plateforme. Ici, on reconnaît bien l'importance du social. J'ai besoin d'interagir, j'ai besoin de liker, d'identifier, de retrouver les personnes et de pouvoir communiquer dans cet espace digital de la même manière que je le ferai dans l'espace réel et physique. J'irai même plus loin, j'ai besoin de me servir de l'espace digital pour communiquer avec des personnes avec lesquelles ce n'est pas possible de communiquer de manière physique. Typiquement, je vais vous prendre un cas d'usage, je suis un retailer, je vais avoir des boutiques réparties sur le territoire, les boutiques ne vont pas forcément communiquer entre elles, pour autant elles ont sûrement un partage de bonnes pratiques à faire les unes avec les autres. C'est ce que va me permettre la Digital Workplace et les communautés de bonnes pratiques. Je te propose, Julie, de passer à la slide suivante. Donc cette notion de point d'entrée unique dans la Digital Workplace, il est assez essentiel. Là, je vous propose vraiment la vision du marché de l'intranet et de la Digital Workplace telle qu'on conçoit chez Bimaps, à savoir vous avez aujourd'hui à disposition une suite collaborative, en l'occurrence ici Google, vous avez des outils de réseaux sociaux qui sont poussés, vous avez des outils d'intranet, vous avez des applications métiers, et on se rend compte finalement qu'il y a une expérience utilisateur et collaborateur qui est complexe et fragmenté, avec une sursegmentation des outils qui ne communiquent pas les uns avec les autres. Et c'est vraiment là l'enjeu de l'outil qu'on pousse aujourd'hui sur le marché. C'est vraiment de se dire, voilà, je vais créer mon point d'entrée unique, mais au-delà de juste créer cette porte d'entrée sur toutes ces informations, je vais créer du liant entre tous ces outils. Donc, je vais interconnecter toute cette suite collaborative en lui donnant des nouveaux cas d'usage dans mon interface. Typiquement, un exemple concret, c'est donner un accès document, un accès Drive à une communauté du Maps, par exemple.
Mais je ne vais pas me contenter de cela, je vais aussi aller ajouter d'autres types d'informations, comme de l'actualité d'entreprise, des applications métiers qui seraient autres que la suite collaborative, un profil social pour pouvoir partager un statut, pour pouvoir m'abonner à des flux d'activités qui peuvent être des personnes, qui peuvent être des intérêts, un annuaire qui va centraliser, comme je vous disais, l'accès à l'information de tous mes collaborateurs et me permettre de les retrouver selon différents critères. Et des communautés d'équipes et de projets qui sont aujourd'hui, je dois l'avouer, centrales dans tous nos projets. Comment le social peut-il m'aider à capitaliser et à constituer une base de connaissances collectives? Une fois qu'on s'est dit ça, et encore une fois, Julie, je te propose de passer à la slide suivante, vous comprenez et vous avez compris le positionnement de notre outil. C'est-à-dire que nous, ce qu'on propose aujourd'hui sur le marché, c'est vraiment d'aller chercher le meilleur de trois mondes, à savoir le réseau social d'entreprise, le portail d'entreprise et la suite collaborative. Alors attention, on n'est pas là pour réinventer la roue, hein, sur l'aspect notamment suite collaborative. Il y a des éditeurs qui font ça bien mieux que nous et bien mieux que tout le monde. Je pense notamment à Google ici. Donc, tout simplement ici, nous, ce qu'on va faire, c'est créer une connexion entre les outils de la G Suite et le portail de Maps. De la même manière, donc, on va aller pousser donc un CMS à l'intérieur de l'UMAPS qui va vous permettre de créer des communications descendantes. L'aspect assez innovant sur l'outil va être de pouvoir créer des templates personnalisés et designés et prêts à l'usage pour que les contributeurs d'informations aient juste rapidement à remplir les informations et à pousser l'information très rapidement en profilant qui pourra accéder à cette information, qui pourra être lecteur et cible de cette information. Et enfin, la partie réseau social d'entreprise, c'est vraiment le lien social dans tout l'outil, le like, le commentaire, les communautés qui vont me permettre d'ajouter des agendas, des espaces documentaires. Donc, sur la dernière slide, vous allez pouvoir constater donc qu'on travaille avec beaucoup de secteurs d'activité différents. Ce qui est assez important sur ces entreprises, c'est que l'outil Digital Workplace, de manière générale, est un outil qui va permettre d'aller connecter tous les collaborateurs en entreprise. Donc, je vais prendre ici l'exemple d'Auchan, qui est notre plus gros client. On connecte chez Auchan 250 000 collaborateurs. Donc, l'idée étant de se dire, la Digital Workplace aujourd'hui, c'est vraiment une notion très concrète. C'est vraiment cet outil qui va me permettre de créer un lien et de répondre à des besoins pour les utilisateurs, à savoir leur permettre de se connecter à l'information, d'accéder à leur outil au quotidien. Et évidemment, en tant qu'entreprise, l'intérêt, il est très évident, c'est de se dire comment je fais pour adresser toute la population sur un plan stratégique, par exemple, mais aussi sur une information plus locale, tout en leur mettant à disposition les outils dont ils pourraient avoir besoin au quotidien. Donc, je suis évidemment disponible si vous avez besoin de rentrer un peu plus loin dans les cas d'usage. Et je vous remercie en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup, Gabin. Et du coup, on va passer à la présentation suivante donc de Romain David. Bonjour à tous. Donc, je suis Romain, le fondateur de Wisembly, une solution collaborative pour les réunions d'entreprise, pour la faire courte. Nous, on est parti d'un constat, je vais commencer d'un peu plus large, un constat qui nous a fait travailler sur le sujet, à savoir que ce qu'on appelle en interne le système d'exploitation des entreprises, l'operating system des entreprises qui est en train de changer, ça vous aura pas échappé. Nous, il y a quatre grandes catégories qui nous inspirent et qui nous marquent plus que les autres. La première, c'est le management, tout ce qui se passe autour de la transformation du management, la transformation dans la manière dont on peut gérer les équipes et peut-être même la fin du management. Un autre sujet qui est lié à celui-là, c'est le sujet des employés et des générations qui sont en ce moment sur le marché du travail. Je crois que c'est la première fois qu'il y a quatre générations différentes qui collaborent dans les entreprises. L'environnement, évidemment, des contraintes au sens large, hein, des contraintes qui sont nouvelles et plus importantes pour l'ensemble des entreprises. Et la technologie, aujourd'hui, certaines tendances, certaines technologies peuvent être adoptées en quelques jours, là où ça prenait des décennies auparavant. Donc, dans ce monde qui évolue, qui se transforme et qui transforme les entreprises et leur système d'exploitation à vitesse grand V, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a un impact immédiat et direct sur les entreprises, peu importe leur taille. Une statistique qui m'impressionne à chaque fois, c'est que au cours des 15 dernières années, plus de 50% des entreprises du Fortune 500 ont disparu. Quand je dis disparu, c'est des cas de faillite, de fusion-acquisition, enfin en tout cas la marque, l'entreprise en tant que telle, a disparu. Et effectivement, l'espérance de vie moyenne des plus grosses entreprises a été divisée par 3 en l'espace de
d'à peu près 40 ou 50 ans. Et la plupart du temps, selon McKinsey et d'autres cabinets de conseil qui ont fait des études sur le sujet, c'est souvent dû à un manque de transformation, d'adaptation à ce monde qui évolue très rapidement. Et la plupart du temps, la cause d'échec numéro un, c'est la résistance des employés et en fait le constat d'échec de la direction du management, de ne pas avoir su impliquer, embarquer les employés dans la transformation de l'entreprise au total. Donc en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, finalement, plus que le changement lui-même, c'est finalement l'art d'impliquer, d'embarquer tous ses collaborateurs et tous les membres et tous les employés d'une équipe qui devient un avantage compétitif, un avantage concurrentiel sur son marché. Et nous, notre mission chez WiseMD, je parlais de solutions collaboratives autour des réunions dans les entreprises. Nous, notre mission, c'est pas tellement d'optimiser la productivité des réunions, de rendre les réunions plus courtes ou plus efficaces, même si c'est un effet collatéral. Notre principale mission, finalement, c'est d'aider lors de ces moments clés que sont les réunions, des moments de rassemblement, des moments où justement on profite de tout le monde, d'aider les leaders, les managers à maximiser l'impact qu'ils peuvent avoir lors de ces réunions. À maximiser l'impact, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner plus de poids à leur discours, donner plus de poids aussi à la parole des collaborateurs pour les impliquer, pour les embarquer et pour faciliter la transformation globale de l'entreprise. Ça, c'est les résultats d'une étude IFOP qu'on a réalisée en 2018 sur le sujet. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les chiffres, mais vous pouvez la retrouver sur l'intégralité de l'étude sur notre site. Ce qui m'intéresse dans cette slide, dans cette donnée, c'est finalement de se dire qu'aujourd'hui, quand on interroge les entreprises sur pourquoi ils utilisent cet outil réunion, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de réunions de suivi de projet qui sont en fait des petites réunions. Vous devez sûrement connaître le problème, vous en avez en moyenne entre 4 et 6 par semaine selon les études, des réunions qui vont durer 3 quarts d'heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour suivre un projet avec 3, 4, 5 personnes. Donc ce type de réunion-là explose et les entreprises ont souvent recours à l'outil réunion quand on ne sait pas trop comment avancer sur un projet. Et en revanche, quand on interroge les cadres en France sur quand il y a des informations importantes, justement, quand il y a des grands changements stratégiques, quand il y a des grandes réflexions à mener, etc., quels sont les outils de communication qui sont utilisés, ben là, tout d'un coup, la réunion, le rassemblement physique passe un peu en second plan et c'est souvent fait par mail ou par newsletter. Ce qui finalement montre bien l'un des points qui peuvent expliquer l'échec dans cette communication-là, c'est qu'effectivement, au moment les plus importants, on rencontre moins les gens et au moment où on a juste des projets qui s'empilent sur le bureau, là, on n'hésite pas à faire des réunions. Quelques points, donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement des réunions ou des rassemblements ou des réunions stratégiques qui sont vraiment axées autour de l'engagement, autour de l'impact que le leader ou le manager ou l'organisateur va pouvoir donner à son discours versus l'ancienne façon de faire. Il y a 4 points qui nous semblent fondamentaux et qui sont pas forcément évidents. Le premier, c'est anticiper les attentes et les besoins de l'audience en amont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais faire une présentation auprès de mes équipes. Avant même que je présente, il faut que j'ai un feedback de leur part sur les points qui les intéressent tout particulièrement, les principales questions qu'ils vont avoir, etc. Donc, sans technologie particulière, c'est compliqué d'aller faire le tour de tout le monde, même si ça peut se faire s'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais l'enjeu, avec une technologie comme la nôtre, par exemple, c'est d'arriver à anticiper tous ces besoins-là en amont et de pouvoir interroger son audience avant même de lui parler pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de quelque chose ou on ne fait pas un gros contresens le jour J. Le deuxième point, évidemment, c'est ne pas avoir peur de l'audience. Il y a encore quelques réticences parfois en disant « je ne veux pas trop prendre de questions à ce moment-là, je ne préfère pas trop être challengé là-dessus, donc si vous voyez ça, vous coupez, etc. etc. » C'est évidemment des comportements qui sont très contre-productifs. Et encore une fois, s'il y a un process qui est mis en place, une technologie qui est mise en place pour justement faciliter l'engagement des collaborateurs, leur permettre de s'exprimer, et leur expliquer les règles du jeu, etc., ça passe beaucoup mieux.
Troisième point, c'est forcément être capable de mesurer en temps réel le degré de compréhension et d'adhésion de son audience. Aujourd'hui, si je veux maximiser mon discours, mon impact auprès d'une audience, bah, il faut que je puisse mesurer le résultat de mes efforts. Là encore, sans technologie, sauf à faire passer des petits papiers en demandant de voter aux gens, c'est très complexe. Avec une technologie comme WiseAmly, on arrive à mesurer des taux d'engagement, ça c'est des taux de participation qui sont calculés en fonction du moment de la réunion, du moment de la présentation, voire même de la slide qui est en train d'être passée. Donc ça, on arrive à mesurer assez précisément le degré de compréhension et d'adhésion. Et enfin, un dernier point, c'est au moment où je termine et je dis merci beaucoup, au revoir, chaque personne qui a participé en présentiel ou en distanciel doit avoir dans sa boîte mail un compte rendu détaillé de ce que j'ai dit moi en tant que manager, leader, organisateur, et de ce que les participants ont remonté comme questions, comme commentaires. Il faut que tout ça soit packagé, emballé et dans la boîte mail de tout le monde. C'est comme ça qu'on arrive à quelque chose d'actionnable immédiatement. Donc là encore, vous comprenez pourquoi l'utilisation d'une technologie est intéressante, parce que justement, ça permet de faciliter notamment ce point-là. Sur la manière dont on fonctionne, nous, je la fais très vite. On est une plateforme donc complètement en SaaS. Les clients, on a plus de 400 clients aujourd'hui qui peuvent se connecter à tout moment, créer des sessions avec les différentes fonctionnalités dont j'ai parlé juste avant. Le plus important pour nous, c'est que ça soit ultra accessible en termes de connexion à la plateforme et qu'il y ait beaucoup d'intégrations disponibles qui permettent de faciliter la présentation des contenus et la remontée des données. Dernier point, et après je passe le micro. Un exemple, c'est un exemple de cas d'utilisation qu'on fait avec un client qui est dans une grosse entreprise dans les transports et qui a un grand plan de transformation sur les 5 prochaines années et qui a émis le souhait de présenter à leur top manager, ils sont plus de 3000 managers, de présenter très régulièrement, une à deux fois par mois, les avancées, les questions, les différents points d'avancement qu'il va y avoir sur ce grand plan de transformation. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un call. Il y a tout le COMEX qui se réunit dans une salle. Ils ont sur des écrans de contrôle la présentation et les questions ou les commentaires qui peuvent remonter de WiseAmly. Et ils vont présenter pendant 20 minutes et après répondre à toutes les questions qui arrivent. L'intérêt de la technologie, c'est que ça permet de trier les questions, de les classer par popularité, de rassembler les questions, thèmes qui sont les mêmes, le tout en temps réel. Et il va pouvoir répondre en l'espace d'une heure, faire sa présentation et répondre à 50, 60 questions parmi les plus posées, les plus populaires. Donc voilà, c'est un exemple. Et derrière, évidemment, comme je disais tout à l'heure, tout le monde reçoit son compte-rendu par mail et lui, il s'assure en permanence chaque mois ou tous les deux mois de la bonne du bon déroulé du projet et de la bonne adhésion surtout de ses troupes par rapport à ce projet. Voilà, j'ai fini. Je vous invite, si vous avez des questions supplémentaires, à me contacter directement romain@wiseamly.com ou à venir sur notre site wiseamly.com. Merci beaucoup, Julie. Je te repasse le micro. Oui, merci beaucoup, Romain. Donc, moi, je vais vous parler plus de travail collaboratif et réussite de projet. Donc, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est de trois tendances profondes qu'on a vues qui ont radicalement transformé l'environnement de travail des entreprises ces dernières années. Donc, la première chose, c'est le développement du travail à distance qui a été favorisé par l'internationalisation et la digitalisation des entreprises. Et aujourd'hui, on a même des entreprises, je ne sais pas si vous connaissez, comme Zapier ou Buffer, qui ont 100% de leurs collaborateurs en remote. Et on voit même d'autres initiatives qui favorisent le travail à distance. Donc, c'est assez intéressant. À La Défense, par exemple, on voit que les transports sont saturés aux heures de pointe, que tout le monde arrive et repart au même moment. Et on a Paris La Défense qui a lancé une initiative pour inciter les entreprises à mettre leurs collaborateurs en télétravail. Donc, certaines entreprises le lundi, d'autres le mardi, etc., pour justement désengorger ces flux de personnes. Donc, il y a de plus en plus d'initiatives comme ça et on pense même que le travail à distance va s'intensifier dans les prochaines années. Il y a une autre tendance qui est le fait que les projets sont de plus en plus complexes et donc nécessitent de faire appel à de plus en plus d'intervenants. Donc, soit en interne au sein des différents services, que ce soit l'IT, le marketing,
la communication interne ou d'autres départements, mais également en externe. Donc, par exemple, on va faire appel à des freelances ou à des agences externes pour certains besoins, que ce soit des agences SEO, des agences graphiques ou autres. Donc, pour vous donner un exemple de projet complexe, je vais vous parler d'un exemple qu'on connaît bien chez Majet, qui est celui d'Inditex. Donc, c'est le groupe qui possède toutes les marques Zara, Massimo Dutti, Oysho, etc. Et donc, Inditex envoie les emails transactionnels, donc les emails de confirmation d'achat, pour l'intégralité de ces marques à travers le monde. Et pourquoi c'est complexe ? Parce qu'il faut travailler non seulement sur le contenu et le design de ces emails, mais aussi sur le fait de les coder, de les personnaliser, d'intégrer les bonnes variables. Et donc, pour cela, il faut impliquer beaucoup d'équipes. Donc, le marketing, le design, mais aussi les développeurs, les CRM, etc. Et donc, rien qu'avec cet exemple, on voit à quel point on a des projets complexes qui impliquent de plus en plus d'intervenants aujourd'hui. Et pour autant, on demande aux équipes de faire preuve de plus en plus d'agilité, donc d'aller de plus en plus vite sur ces projets pour réduire le time to market. Donc, le time to market, c'est la réduction du temps de mise sur le marché d'un projet. Et c'est aujourd'hui devenu un enjeu stratégique majeur pour les marques afin d'améliorer leur rentabilité et de devancer leurs concurrents. Voilà, donc aujourd'hui, ça, c'est les trois tendances qu'on voit sur le marché. Donc, le travail à distance, la multiplicité des intervenants et ce besoin d'agilité. Et donc, pour réussir dans ce contexte, il est indispensable que les équipes puissent travailler ensemble efficacement sur un projet. Et pourtant, on voit aujourd'hui que le travail collaboratif reste encore un challenge pour les entreprises. Donc, chez Majet, on a voulu savoir un peu ce qu'il en était au sein des entreprises. Donc, on est allé interroger 400 spécialistes du marketing en France et au Royaume-Uni. Et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'en moyenne, sur un projet donné, les spécialistes sont amenés à travailler avec 6 collègues en interne et 5 personnes en externe. Et ce qui nous a vraiment interpellés dans les résultats de cette étude, c'est que ces mêmes répondants indiquent que la collaboration devient un défi justement à partir du moment où ils sont amenés à travailler avec 11 personnes sur un projet. Donc, c'est des résultats qui montrent bien que voilà, aujourd'hui, les entreprises sont en difficulté face au travail collaboratif et ces difficultés ont des conséquences assez lourdes, on va le voir sur les entreprises. Donc, à cause de cette faible collaboration, on assiste à une mauvaise collaboration entre les acteurs impliqués dans le projet, un manque de transparence sur les modifications qui sont réalisées en interne et un manque de contrôle sur ce qui est fait par les prestataires extérieurs. Et sur ce dernier point, on voit même au UK qu'à cause de ce manque de contrôle, les entreprises ont tendance à réinternaliser certaines compétences. Et donc, les conséquences, je vous le disais, sont lourdes. On le voit en termes de temps et de rentabilité. Donc, on a une étude qui indique que près de 15% du temps de travail est gaspillé et 9 000 € en moyenne sont perdus par salariés chaque année à cause d'une mauvaise collaboration. Donc, c'est des chiffres édifiants qui montrent vraiment que les conséquences sont lourdes pour les entreprises. Donc, on va voir maintenant quel levier d'action justement pour améliorer la collaboration au sein des équipes. Donc, je voudrais vous parler de trois leviers d'action principaux qui couvrent les problématiques qu'on vient de voir. La première chose, c'est de mettre en place des méthodes de travail agiles telles que la méthode Scrum. Donc, Scrum, c'est un cadre méthodologique dédié à la gestion de projet qui repose justement sur le principe de collaboration et de transparence. Et c'est un cadre qui peut être appliqué à tout type de projet ou à tout développement de produit. Donc, cette méthode, elle commence avec le fait de définir trois rôles. Donc, le premier, c'est le Product Owner, qui détient la vision du produit et c'est lui qui va définir le cahier des charges. La deuxième chose, donc, c'est l'équipe de développement qui va développer justement les différentes fonctionnalités qui sont indiquées dans le cahier des charges. Et on a le Scrum Master. Donc, c'est lui qui va aider justement le Product Owner et l'équipe de développement à travailler ensemble et il va être garant du respect de la méthode Scrum. Et donc, l'idée de cette méthode Scrum, c'est de découper le cahier des charges en plusieurs tâches. Donc, pas de réaliser l'intégralité du cahier des charges et de tout livrer à une date loin dans le futur, mais voilà, de diviser ce cahier des charges en plusieurs tâches et de réaliser chacune de ces tâches sur des périodes très courtes qu'on va appeler sprint. Et en général, c'est des times de temps de 2 à 3 semaines pour vous donner une idée. Et donc, avec la méthode Scrum, l'idée, c'est d'échanger tous les jours avec les acteurs du projet. Et pendant cette réunion, donc, que chacun dise sur quoi il a travaillé la veille, les difficultés qu'il a rencontrées et sur quoi il va travailler aujourd'hui. Donc, l'idée, voilà, avec cette méthode, c'est vraiment d'avoir une approche agile des choses. Ensuite, le deuxième levier d'action, c'est de définir des procédures de validation claires. Donc, notamment lorsque vous travaillez avec des prestataires extérieurs pour justement garder le contrôle sur ce qui est fait par les agences ou les freelances et limiter les risques d'erreur. Et donc, là, ce qui va être compliqué, c'est de trouver le bon équilibre justement
entre ces procédures de validation sans que ça nuise à l'agilité de l'équipe. Et donc, ça m'amène au troisième levier d'action, qui est en fait le fait d'investir dans les bons outils collaboratifs. Et aujourd'hui, on a plus de la moitié des spécialistes qui estiment que leur entreprise n'investit pas suffisamment dans les bons outils. Donc, on va voir des exemples dans la slide juste après, mais l'enjeu ici, c'est d'identifier les bons outils technologiques, voilà, qui vont permettre aux entreprises justement d'améliorer la communication entre les personnes impliquées, de donner de la visibilité sur les actions de chacun et de garder le contrôle sur ce qui est fait pour éviter les risques d'erreur. Donc, investir dans les bons outils collaboratifs. Donc, je voudrais vous parler de certains outils collaboratifs qui existent aujourd'hui sur le marché et qui permettent justement aux entreprises de relever ces problèmes posés par le manque de collaboration. Donc, la première chose, on a Slack, qui est un outil de messagerie instantanée, donc qui permet de centraliser les flux de communication de votre équipe pour optimiser la productivité. Donc, vous pouvez notamment créer ce qu'on appelle des chaînes par projet pour échanger sur certains sujets spécifiques et vous y retrouver plus facilement dans les différents projets. Ensuite, on a Trello, donc c'est un outil de gestion de projet. Je vous parlais tout à l'heure de la méthodologie Scrum, donc Trello est justement un excellent outil pour gérer l'avancement des tâches de chacun dans le cadre d'une méthode Scrum. On a aussi la suite Google, donc pour l'édition de documents. Donc par exemple, Google va vous permettre de voir les modifications réalisées par chacune des personnes, suivre l'historique des modifications, laisser des commentaires, etc. Et ça permet d'échanger beaucoup plus vite et de ne pas s'y perdre dans les différentes versions de documents comme on peut avoir avec Word, avec V1, V1.2, etc., etc. Et donc maintenant, on a Mailjet également pour les campagnes emailing. Et ça, c'est assez nouveau dans le domaine de l'industrie. Donc, on voit que tous les secteurs ne sont pas encore couverts par les outils collaboratifs, mais qu'on y va de plus en plus. Alors, très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Mailjet, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, depuis le début, en fait, on permet aux marketeurs et aux développeurs de travailler ensemble sur leurs emails transactionnels. Donc, ça va être, par exemple, les emails de confirmation d'achat, mais aussi sur leur email marketing. Donc, c'est tout ce qui est newsletter ou email qu'on appelle email de masse. Et donc, désormais, Mailjet permet justement d'aller plus loin aux équipes dans la collaboration, donc en proposant des sous-comptes et des permissions avancées pour garder le contrôle sur les accès et sur les droits de chacun des membres de l'équipe. La collaboration en temps réel et des commentaires, exactement en fait comme on a sur Google Doc, justement pour éviter les allers-retours, être certain de ne pas écraser les modifications des autres et accélérer cette prise de décision. Et on a également des sections verrouillées et des demandes de publication, tout ça au sein de l'interface pour maîtriser votre image de marque et éviter les erreurs dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, ça permet de répondre aux besoins des entreprises avec des grandes équipes et des projets complexes. Et on a mis quelques exemples d'entreprises avec lesquelles on travaille pour vous donner une idée. Et justement, pour vous donner un cas client concret pour vous montrer ce qu'ils ont pu atteindre en investissant dans les bons outils, je vais vous parler du groupe donc Les Échos, Le Parisien. Donc c'est le leader de la presse quotidienne et économique. Et pour vous donner quelques chiffres, pour vous donner un peu l'ampleur des projets, donc c'est 1600 collaborateurs, 6 marques médias et ils touchent 50% de la population française. Et tous les mois, le groupe envoie 100 millions d'emails à tous ses lecteurs. Donc, pour ce groupe qui a vraiment beaucoup de business units et beaucoup de campagnes emailing différentes, l'enjeu, c'était vraiment de mettre en place un outil emailing qui lui permette de garder le contrôle sur qui a accès à quoi et sur qui a le droit de faire quoi au sein de leur plateforme. Et donc, avec Mailjet, ils ont pu créer différents sous-comptes dédiés en fonction des types de campagnes envoyées et donner des permissions personnalisées aux collaborateurs en fonction de leur profil. Donc, par exemple, donner à une personne le droit de pouvoir éditer un contenu, mais pas celui de pouvoir toucher au contact, ce qui pourrait être dramatique ou très compromettant pour une entreprise comme Les Échos, Le Parisien, si on en venait à modifier les listes de contacts. Voilà, donc ça, c'est pour vous donner un peu une idée de ce qu'ils ont pu faire. Et aujourd'hui, du coup, ça leur permet d'éviter tout risque d'erreur sur leur campagne emailing. Voilà, donc ça, c'était ma dernière slide. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'on n'en a pas encore beaucoup pour le moment. Mais voilà, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure et on répondra à tout ça à la fin. Merci beaucoup. Et du coup, Bruno, je vais te laisser la main pour cette dernière présentation. Merci, Julie. Bonjour à tous. Bon, je suis Bruno Barbagli, responsable de l'offre G Suite en France. Merci de votre participation. L'idée de cette rapide présentation, c'est de partager quelques éléments
le succès de certains clients. Avec l'opportunité que nous avons chez Google de pouvoir régulièrement échanger avec beaucoup de types de clients dans beaucoup de secteurs. Et donc, l'idée, c'est de partager un peu quels sont les facteurs clés à ce niveau-là. Et, oups, pardon, je vais un peu vite sur ma diapositive. Voilà, désolé. Le premier sujet, c'est ceux qui ont réussi leur transformation digitale. C'est d'abord parce qu'ils ont su identifier, créer le service, l'offre sur laquelle ils vont se focaliser, qui va leur permettre de se différencier sur le marché. C'est souvent le cas des nouveaux entrants, que ce soit un Spotify, Airbnb, Blablacar et d'autres, qui ont su identifier une niche sur laquelle investir massivement et avec un concept novateur. C'est des fois un peu plus compliqué pour les entreprises plus traditionnelles, puisqu'elles ont, étant établies, elles ont à se remettre davantage en question pour savoir quel est le focus nécessaire qu'elles doivent prendre. Une fois qu'elles ont réussi à déterminer quel est leur marché ou leur produit, on continue, elles ont approfondi la relation client et ont vraiment orienté et fait pivoter leur entreprise autour de la satisfaction. C'est-à-dire que tout est fait pour assurer une satisfaction élevée de la part de leurs clients, consommateurs, avec un peu une tyrannie des 5 étoiles, comme on peut le vivre de plus en plus. Mais aussi toute la conception et l'ensemble des ressources de l'entreprise sont focalisées autour de la compréhension de cette satisfaction, mais aussi de comment interagit le client avec l'offre qu'on lui propose. Donc ça, c'est un élément essentiel puisque de nombreuses études démontrent que plus on investit sur cette connaissance du client et donc une meilleure satisfaction, plus on est efficace sur le marché. À partir du moment où on a la capacité de mesurer la satisfaction d'une offre qui est extrêmement spécifique, il faut aussi la produire avec une grande efficacité. Une efficacité aussi bien opérationnelle que d'un point de vue de la conception et de toutes les briques qui permettent de produire ce service. Donc là, on est vraiment sur des principes. On a de plus en plus un nombre important de transactions qui sont réalisées entre l'entreprise et ses clients. Eh bien, quel est le coût marginal le plus faible possible qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir être efficace économiquement, mais tout en s'assurant qu'on a une grande satisfaction dans le cadre des échanges. Et là aussi, en tant que nouveau entrant, il est un peu plus simple des fois de partir d'une feuille blanche, d'une infrastructure, de solution, plutôt que de devoir transformer son existant. Mais il est essentiel, et on le voit aujourd'hui aussi dans le cadre des études qui sont réalisées, que plus on investit dans les éléments cœur de la solution, plus on a une efficacité. Les micro-changements qui sont faits en périphérie de la solution ou du système qui permet de produire ces environnements, ces solutions, sont plus efficaces économiquement. Et le dernier sujet, au-delà de tous ces éléments qu'on a déjà pu parcourir, c'est le collaborateur. Ce sont les collaborateurs, c'est un peu la guerre des talents, c'est s'assurer que ceux qui ont réussi la transformation digitale ont su attirer les talents dans leurs organisations en leur offrant aussi bien une culture d'entreprise, un environnement de travail qui leur permet d'être efficace, mais aussi répondre à des attentes qui sont de plus en plus fortes de travailler différemment. Et donc, cet élément important du collaborateur chez Google, nous mettons au centre de notre offre G Suite, qui est la suite collaborative, et qui est vraiment de répondre ce à quoi les individus s'attendent aujourd'hui comme environnement de travail. C'est plutôt la partie gauche de ce que vous voyez que la partie droite. C'est comment on va être dans un environnement qui permet de partager, de collaborer, d'innover, et aussi de les garder, les collaborateurs qui nous rejoignent avec non seulement la culture à laquelle ils s'attendent, et donc faire évoluer la culture d'entreprise, mais aussi les outils collaboratifs qui permettent de répondre à ces problématiques de efficacité personnelle telle qu'on peut l'avoir aujourd'hui dans le grand public, avec une multitude d'outils qui nous permettent de rapidement échanger, partager, alors que des fois dans le monde d'entreprise, on est encore confronté à non seulement une certaine lenteur dans les processus, à des aspects de silotage, mais aussi par rapport à l'outil en tant que tel qui n'est pas aligné avec nos attentes. Donc ça, c'est un élément important pour avoir une efficacité dans le recrutement et éviter que les collaborateurs, au bout d'un certain temps, et on le voit, quittent l'entreprise de par sa culture et aussi les outils qui sont mis à disposition. Le cas, par exemple, de Carrefour est assez intéressant, qui a fait un choix de G Suite, surtout par rapport à pourquoi je vais me transformer avec au centre le collaborateur et comment je vais lui donner des possibilités d'être encore plus intégré dans l'entreprise et de le doter d'outils qui lui permettent d'échanger plus facilement avec son écosystème de collaborateurs et de métiers. Ensuite, on a le sujet du contenu. Le contenu, une fois qu'on a les bonnes personnes qui sont dans l'entreprise, elles doivent pouvoir innover, elles doivent pouvoir créer, elles doivent pouvoir trouver ce contenu. Encore aujourd'hui, j'ai perdu. Je vais continuer.
Je vais remettre la présentation. Alors, merci. Je vais continuer donc dans la lancée. Le principe du contenu, c'est de dire comment, merci Julie, nous allons pouvoir mettre à disposition des utilisateurs, des collaborateurs, un contenu qui est facilement trouvable, qui est à un seul endroit, plutôt qu'il soit éparpillé sur différentes solutions, des ordinateurs, des serveurs de fichiers, bref, des éléments qui font qu'on n'est pas efficace, on ne trouve pas l'information, on ne peut pas avoir des talents qui vont pouvoir innover puisqu'ils n'ont pas accès à cette information. Ensuite, il faut pouvoir la trouver à travers la recherche, en étant à un seul endroit, que ce soit efficace, avec de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire émerger ce contenu vers les personnes qui en ont besoin par rapport à leurs affinités sur des thématiques ou des liens organisationnels. Et enfin, c'est comment on le crée. Aujourd'hui, c'est à travers G Suite, ce n'est plus créé dans un mode séquentiel. Je crée un document, je l'envoie dans la messagerie, quelqu'un d'autre va le commenter, j'ai une autre version, etc. Non, on est dans l'échange et dans la collaboration, soit en temps réel, mais toujours sur le même document, ou sur un mode asynchrone, toujours sur le même document. On va pouvoir commenter, interagir, et ceci a pour but de pouvoir aussi créer une relation différente vis-à-vis de l'autre dans la façon de produire ce contenu, avec énormément de gains en termes de temps gagné, économisé. Nous avons donc les bons individus, nous gardons les individus, les talents, nous leur mettons à disposition du contenu. Maintenant, comment nous allons s'assurer qu'ils peuvent aussi impacter au quotidien, leur quotidien dans leur métier. Et c'est ça qui est important pour nous chez Google, avec G Suite, c'est de pouvoir aussi connecter l'aspect collaboratif avec le côté processus métier. Et on voit aujourd'hui des clients comme PwC au niveau mondial qui ont réalisé des économies de 25% du temps pour pouvoir éditer une proposition qui auparavant demandait plusieurs semaines. C'est aussi le cas de Valeo qui connecte ses collaborateurs sur G Suite avec SAP pour pouvoir travailler plus efficacement dans le recouvrement des factures et donc là gagner du temps en termes de recouvrement. Donc c'est un impact direct sur la rentabilité ou des flux financiers. Et c'est là où G Suite permet, dans sa boîte à outils, dans la volonté de Google d'ouvrir avec ses API, de connecter, de dématérialiser, de créer des micro-efficacités ou des macro-efficacités pour dématérialiser et permettre, côté métier, d'avoir un impact assez important sur la capacité à être plus innovant, à répondre plus facilement à des problématiques terrain et à se transformer au fil de l'eau. Et pour terminer, c'est comment on accède à ce contenu. C'est au-delà de pouvoir avoir cet impact métier, de pouvoir collaborer, c'est de comment y accéder de la façon la plus simple à travers un terminal mobile, à travers un ordinateur, mais à travers aussi de plus en plus le navigateur. Et G Suite est totalement développé dans le navigateur et a pour but aussi de faciliter cet échange avec les meilleurs outils pour toutes les typologies de collaborateurs, que ce soit des cols blancs, des cols bleus, avec le même niveau d'engagement et d'interaction, mais aussi de se dire, je peux accéder désormais à travers un navigateur, aussi à travers des machines qui sont beaucoup moins onéreuses, donc des Chromebooks, qui permettent d'avoir là aussi une économie substantielle sur cette brique qui est d'infrastructure, si vous me permettez l'expression, du terminal, de comment on doit le gérer, de combien il coûte, etc. Et là aussi, on a des éléments comme chez Veolia, avec un déploiement massif de Chromebooks dans une organisation qui compte des dizaines, plus de 100 000 collaborateurs. Alors, pour résumer un peu ce qu'on vous propose et ce que nous avons pu constater en termes de retour d'expérience avec nos clients, c'est que G Suite est un élément clé de la transformation digitale puisqu'il permet de mettre dans les mains des collaborateurs un outil qui leur permet à eux d'innover, d'avoir un impact et d'aller plus vite de ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais ce qui est aussi important au-delà de l'impact sur le métier, c'est cette capacité, et c'est nos clients qui le disent, de déployer un retour sur investissement pour chacun des thèmes que nous avons rapidement parcourus. En termes de collaborateurs, par rapport à la culture d'entreprise et de s'assurer qu'on a une rétention et qu'on a des collaborateurs qui sont heureux au travail et qui ont une culture d'entreprise à laquelle ils adhèrent, et donc éviter d'avoir effectivement des départs. Le deuxième sujet, c'est la gestion du contenu, où des clients comme Air Liquide économisent 5 millions par an en termes du stockage de leur contenu qui est désormais dans G Suite, mais aussi de la façon de le produire avec la suite collaborative G Suite. En termes de valeur métier, on l'a évoqué sur les efficacités en termes de temps, mais aussi en termes de processus qui ont un impact direct sur le métier. Et enfin, c'est cet accès qui est à tout le monde, avec tous les outils pour les impliquer et avoir plus de valeur collective, mais aussi de réduire le coût de la mobilité avec des terminaux qui sont plus économes, avec des façons de se connecter qui sont plus efficaces.
Alors, juste pour terminer, c'est un peu un état des lieux des différents clients avec qui nous avons développé des partenariats pérennes, principalement en France ici. Mais c'est pour vous dire que voilà, vous avez tous ces clients qui ont un engagement avec nous depuis plus, pour certains, presque 10 ans. Et chacun, vous voyez, a défini un peu pourquoi et comment G Suite a impacté leur organisation, que ce soit en termes d'optimisation des processus, de compétitivité, de transformation, d'innovation, d'accélération. C'est des déploiements massifs de l'ensemble des collaborateurs qui représentent aujourd'hui à peu près 20% du CAC 40, avec 25% de croissance du nombre de clients entreprises qui ont souscrit en un an. Donc, nous sommes passés de 4 millions d'entreprises à 5 millions d'entreprises au niveau mondial. Une part de marché de 10% à peu près sur la collaboration. Et bien sûr, tout cela dans un environnement sécurisé dans lequel les données à partir de nos clients sont protégées et leur permettent d'être mieux protégées pour certains de leur contexte actuel. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. Il reste quelques minutes s'il y a des questions. Et sinon, nous sommes à votre disposition, bien sûr, pour continuer les échanges après ce webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup, Bruno. Alors, encore une fois, je n'ai pas vu de questions, donc n'hésitez pas si vous en avez. Sinon, comme disait Bruno et Romain, vous pouvez nous contacter directement. Donc, alors, Romain, ce sera romain@waysambly.com. Pour Medjet, ce sera contact@medjet.com. Et Gabin et Bruno, du coup, je vous laisse peut-être donner l'adresse à laquelle vous pouvez être contacté ultérieurement s'il y a des questions dans un second temps. Oui, moi ce sera simple, c'est Bruno B, tout attaché, @google.com. Et très simple aussi de mon côté, puisque c'est Gabin, G-A-B-I-N, @lumaps.com. Parfait. Merci beaucoup à tous en tout cas d'avoir assisté à ce webinaire. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou pour discuter sur ces sujets-là. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.